Je vous avoue que j'avais quand même un groupe qui avait été assez touché dans sa chair. Voilà, en prendre 4 contre l'Allemagne, en plus bon, dans les conditions qu'on a vécues, c'est-à-dire sans réellement jouer le match, ça a été difficile. Voilà, par contre, j'ai trouvé un groupe solidaire le lendemain, tout de suite prête à se remettre au travail. Je pense, fait malgré tout un match assez sérieux. Encore avec quelques essais, donc forcément ça manque d'automatisme, ça c'est sûr. Mais malgré tout, voilà, j'ai trouvé des filles concernées ce soir et ça c'est positif. Il a manqué ce petit but, c'est sûr qu'on aurait aimé gagner ce soir, mais déjà on n'a pas perdu. Quand on vient d'en prendre 4, l'idée c'est de stopper l'hémorragie, c'est déjà de penser à cette animation défensive et de mettre de la solidité. C'est ce qu'on a su faire, en tout cas même tout le bloc équipe. Voilà, après, bon, on n'a pas réussi à mettre ce but, ça aurait pu jusqu'à la fin, mais ça n'a pas voulu rentrer ce soir. Il y a encore quelques petits réglages, mais on avait pointé du doigt beaucoup de choses. Les filles ont vraiment été très attentives. Il fallait surtout pas qu'on fasse une deuxième prestation identique. Voilà, donc on a vraiment senti un groupe ce soir, en tout cas qui avait envie. Et même dans le manque de justesse, dans le manque de précision, voilà, on a senti en tout cas des filles qui avaient vraiment envie, qui ne lâchaient rien. Et voilà, l'idée c'était aussi de travailler sur l'aspect mental, donc c'est ce qu'on a réussi à faire ce soir. Je peux vous dire que les premières minutes, elles les ont effectivement subies, mais voilà, on n'a pas concédé de but, donc on a fait le dos rond, on a su après s'organiser. Ça aussi, je trouve que c'est plutôt positif. Sans qu'on leur dise quoi que ce soit, elles ont su s'adapter au système adverse, voilà, alors avec quelques imperfections encore, bien évidemment, mais ça c'est un point positif aussi. Voilà, il y a une ossature qui commence à se créer. Alors j'avais déjà quelques certitudes. Et puis après, il fallait aussi que je vois ce que certaines avaient dans le coffre, hein, savoir si elles avaient le niveau international, savoir si elles étaient capables de subir la pression ou non. Donc j'ai plusieurs indicateurs effectivement aujourd'hui. Nous sommes ce soir 11 800 supporters.